Les plantes de la savane avaient épuisé leurs dernières gouttes de sève. Perdu dans le bush, Paradji le dingo s'était évanoui. Il était devenu étranger à son propre songe. Les dromadaires du clan d'Artoué ne pouvaient plus se contenter des bains de sable que leur offrait le désert. Il fallait se remettre en marche et partir à la recherche de nourriture nouvelle. Toku, le dernier bébé de Burka, avait quitté la poche de sa mère pour faire l'apprentissage du monde. Son frère aîné, Yam, qui n'acceptait pas de devenir adulte, tentait encore de téter Burka. Lassée, celle-ci avait fini par le rejeter. Tout cela, Paradji le projetait sur le dôme du rêve. Car il en est ainsi, nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. Au nord du dernier continent, dans la zone habituellement marécageuse située le long de la mer d'Arafura et du golfe de Carpentarie, un python se baigne dans une rivière. Il est fluide. On dirait qu'il s'écoule avec elle. Bien qu'il soit moins bien adapté au milieu aquatique que son cousin, le python d'eau, le python olive est capable de parcourir plusieurs kilomètres à la nage. Son corps peut mesurer plus de 5 mètres et peser plus de 40 kilos. Immergé, le serpent se sent plus léger et mobilise moins d'énergie à se déplacer, sauf s'il doit lutter contre des courants. Un jeune sanglier d'Eurasie s'est égaré au bord de la rivière amaigrie où passe Kunda, le serpent olive. Depuis plusieurs semaines, aucune pluie n'est venue troubler de sédiments ou de limons la transparence de l'eau. Le serpent distingue donc clairement le visiteur qui chemine sur la berge. Le serpent semble porter intérêt au mouvement du jeune sanglier. Celui-ci est trop gros pour être avalé, mais le python peut faire passer dans son tube digestif des proies disproportionnées par rapport à son propre diamètre, et cela l'amène parfois à surestimer ses capacités. Le sanglier s'est dirigé vers les grottes creusées au pied de l'escarpement, cavité que l'eau envahit rapidement à la saison humide, lorsque les plaines sont inondées. Kunda ne l'y a pas suivi. Pour la première fois depuis de nombreuses semaines, le ciel a changé d'humeur. Le jeune sanglier s'est réfugié dans l'une des cavernes. Il appartient à une espèce appelée localement « razorback », dos en rasoir, en raison des plaques cartilagineuses qui protègent l'échine du mâle adulte, combattant d'une robustesse et d'une agressivité légendaires. Normalement, un jeune razorback vit avec sa harde, mais il peut arriver qu'un individu lunatique et curieux du monde s'éloigne des siens. Sa longue marche a exténué le jeune razorback. Ici, au creux du roc, il se sent abrité de tout. Bientôt, il s'endort et n'assistera pas à l'arrivée du monstre qui s'approche et va s'abattre comme chaque année sur toute la région. Dans quelques instants, il sera là. Il se nomme Mousson.
Kunda accueille sans déplaisir les ruissellements avant-coureurs du Wet, la saison des pluies. C'est une eau tiède qui coule sur son corps. Elle ne l'engourdit pas. La région est en effet gouvernée par un régime climatique tropical, comparable à celui des forêts vierges d'Asie, où la mousson qui mouille le cuir du sanglier passe pour un véritable cataclysme. Bientôt, toutes les eaux accumulées en quelques heures sur les hauteurs des plateaux commencent à dévaler les pentes et à s'écouler vers le lit des rivières, jusqu'alors asséchées. Normalement, l'eau qui envahit tout prend du retard en arrivant au Billabong. Les Billabongs sont des mares profondes, formées par le retrait des rivières de leur ancien méandre. Le temps que les Billabongs se remplissent de nouveau et retrouvent leur niveau le plus élevé, l'eau épargne la plaine environnante. Mais cette année-là, les pluies du Wet seront les plus fortes de tout le XXe siècle. De fortes pluies se sont aussi abattues sur le désert central, le Red Heart, le cœur rouge de l'Australie. Le mont Artula, roc sacré tutélaire, se dédouble et produit un reflet. Mais ici, selon les hommes vrais, les aborigènes, chaque chose n'est que le reflet de la conscience, ce que nous appelons le réel aussi bien que ce que nous croyons illusoire. Et le dingo qui traverse la rivière, autant que son image dans le miroir des eaux. Kira, la femelle dominante de la meute, étanche la soif que lui ont laissé plusieurs semaines de sécheresse. Mais l'eau ne lui procure pas le même plaisir qu'à ses enfants, Kuiri et Marty, qui la découvre pour la première fois. Kuiri, la petite femelle, se familiarise avec un nouvel élément qu'elle ne connaissait pas et qui l'enivre. Kintala, lui, passe avec indifférence. Ce mal appartient à une génération à peine plus ancienne. Il a déjà vécu la saison du Wet. Elle ne l'impressionne plus. Pour Kuiri et Marty, l'eau sert de prétexte au jeu. Patauger, éclabousser, faire exploser sous sa patte de grandes gerbes de gouttes brunes, tel est, plus que la nage, le véritable plaisir du dingo du désert.
les enfants de Kira, toutes ces sensations sont neuves. La boue fait jaillir du sol des odeurs nouvelles. Elle recouvre le corps d'une pommade apaisante. On peut s'y rouler avec bonheur quand on n'avait connu jusqu'alors que le sable sec qui gratte et mord la peau. Jadis, Kouiri recherchait la présence de Paradji, le grand mâle que le désert a repris. La meute s'est réduite. Ils ne sont plus que cinq. Les deux enfants de Paradji, ceux de Kira et Kira elle-même. Esselée, Kira semble chercher encore son compagnon. Parfois, elle parcourt les berges et croit le voir qui passe. Mais ce n'était qu'un mirage, le reflet d'un espoir qui se noie dans l'eau rouge. Il pleut sur les plages, les collines et les forêts d'eucalyptus de Kangaroo Island. Ce grand ovale de terre, long de 150 km, largué à quelques kilomètres au sud du dernier continent, offre aux kangourous gris un refuge que ne fréquente aucun prédateur. L'île jouit d'un climat atypique par rapport au reste du pays. Les eaux du bassin sud-australien jouent un rôle régulateur et les précipitations régénèrent sans cesse la végétation nécessaire aux kangourous. La réussite évolutive des kangourous en tant qu'espèce découle de leur capacité à tirer le meilleur parti des végétaux qui les entourent. Quand il se tient debout, l'animal peut facilement cueillir les feuilles et les bourgeons des arbres. Cependant, ce sont les herbes qui forment l'essentiel de son régime alimentaire. Le kangourou est une véritable machine à hacher et à moudre les végétaux. Ses incisives supérieures forment une arcade dentaire continue comme la lame d'une moissonneuse. Un durillon du palais sert de butoir aux incisives inférieures pour bloquer et trancher les herbes. Les canines, inutiles, ont disparu. Comme celles de l'éléphant, les molaires se renouvellent tout au long de la vie de l'animal, ce qui l'autorise à broyer des végétaux très abrasifs. Enfin et surtout, l'estomac du kangourou est précédé d'une sorte de chambre de fermentation où des millions de bactéries dégradent les matières les plus fibreuses avant qu'elles soient digérées. Pour Cartania et son fils Pogo qui s'enfoncent dans les herbes fraîches, toute pluie est une promesse. Les terres du Nord sont déjà gorgées d'eau, mais les spasmes du ciel annoncent d'autres déluges. Des végétaux poussent sur un tapis de boue liquide. L'explosion rose des fleurs se nourrit de matières végétales que l'inondation décompose. L'abondance de fleurs met en appétit, sous le regard de la tourterelle striée, les oiseaux amateurs de nectar et de pollen. Pour trouver ceux qu'ils préfèrent, le loriquet arc-en-ciel est capable de parcourir plus de 50 km. Il peut alors se trouver en concurrence avec l'anthochère rouge, amateur des mêmes nourritures. Mais c'est surtout pour les consommateurs de grenouilles, insectes et poissons
que les temps sont fastes. Les aigrettes garzettes et les hérompies s'en donnent à cœur joie. En effet, la montée des eaux fait sortir de leurs trous ou abris inondés de nombreux insectes et batraciens. La grande aigrette, au cou plus long que le corps, partage leur euphorie. Comme le cormoran noir dont la tête émerge des eaux, ainsi qu'un périscope ou la spatule d'Australie. Tous ne savent plus où donner du bec. Des poissons et des crustacés, amorphes, se laissent gober sans résister. Ils sont assommés par le manque d'oxygène. En effet, l'eau, si vite arrivée, s'est transformée en une soupe d'herbes et de déchets qui ont fermenté à la chaleur du soleil. La grue Antigone d'Australie a bâti son nid d'herbes et de brindilles sur une plateforme herbeuse que l'eau n'a pas encore envahie. Le mâle et la femelle se relaieront pour couver les deux œufs. Puis les oiseaux, monogames, consacreront tous leurs soins aux petits nouveaux-nés pendant près de 11 mois. Le loriquet arc-en-ciel partage son rayon d'action avec le méliphage à aile jaune et avec un troisième mangeur de suc, l'anthochère rouge. Le loriquet est bien adapté à une vie arboricole. La configuration de ses doigts, opposés 2 à 3, lui permet de mieux saisir les branches et de grimper aux arbres avec agilité. Sur l'île des kangourous, Cartagna procède à la toilette de son fils, Pogo. La scène, si tendre, serait pourtant banale si elle ne se déroulait devant Yam, que sa propre mère a rejeté. Cartagna met en ordre ses quatre mamelles, dont l'une s'est démesurément étirée de sorte que Pogo, trop grand pour rentrer dans la poche, puisse l'attraper du dehors. Yam, lui, est assez grand depuis longtemps pour manger de l'herbe et des feuilles. Mais il garde la nostalgie de son enfance, qui s'est achevée si brutalement quand Burka a dû le sevrer par la force. Alors quand il voit Pogo téter, il le jalouse et s'approche de Cartagna pour mendier le droit de la téter aussi, elle, sa sœur. Cartagna, stupéfaite, se redresse pour mieux s'opposer aux prétentions de son frère. Dès que Yam esquisse un nouveau geste d'approche, Cartagna le dissuade d'un simple regard, d'un simple geste. L'ordre est enfin revenu, mais Yam se battra encore. Sur quel sable est-il écrit qu'il faut à tout prix prendre congé de son enfance? De même que les oiseaux se gavent en cette saison de criquets ou fourmis dont l'eau submerge l'habitat,
Le python Olive n'a eu aucun mal à tuer quelques rongeurs ou petits marsupiaux qu'elle a chassés de leur terrier. Il passe donc une grande partie de son temps à digérer, ce qui endort son agressivité et le rend lui-même légèrement léthargique. Le jeune Razorback égaré vient à passer dans les parages, occupé à fouiller le tapis végétal. Il ne se rend pas compte qu'il pourrait déranger Kunda, le python. Inconscient du danger, le jeune Razorback va creuser la terre sous le corps du serpent. Comme s'il se préparait un nid, il reproduit le geste instinctif de tout animal fouisseur et terrassier. Dans une harde, il aurait été alerté par la fuite des adultes, mais seul, encore incapable d'identifier les visiteurs éventuellement hostiles, il provoque sans le savoir le python, stupéfié. Kunda s'éloigne du Razorback. Sa langue, en quelque sorte, tâte l'air et le ramène vers le palais, où se trouve l'organe de Jacobson qui en analysera les composés chimiques. Ainsi fonctionne l'odorat du serpent. Toujours guidé par son instinct, le petit Razorback s'est creusé un nid dans les débris végétaux. Quand il se retrouve ainsi à moitié recouvert de feuilles, sa peau complète le camouflage. Kunda observe le Razorback endormi. Peut-être après tout, celui-ci mériterait-il qu'on se donne la peine de revenir. Kunda semble hésiter. Sa perplexité se mêle de fascination devant tant d'innocente témérité. Il décide ensuite de contourner le roc et d'aller considérer sous un autre angle le spectacle que lui offre le visiteur. Le python Olive est un constricteur. Il n'est pas venimeux, mais peut étouffer et broyer ses victimes en resserrant autour d'elle les anneaux de son corps. Si le Razorback constituait un danger, Kunda aurait la force de le tuer. À défaut, un peu d'appétit rendrait le reptile agressif, même envers un animal trop gros pour tenir lieu de proie. Après avoir étudié la situation comme un naturaliste attentif, Kunda se dissuade définitivement de se donner trop de peine. Il n'éprouve à l'égard du Razorback ni faim, ni vindicte. Thank you.
Les bilabongs, ces mares profondes que les eaux ont envahies, ont cessé de servir de bassin de régulation et l'inondation s'est propagée à toute la plaine du Nord. Chaque arbre, chaque tige, chaque plante qui dépasse encore de l'eau a servi d'asile à une multitude de fourmis, araignées ou criquets qui risquaient la noyade et de salles de banquet dénuées d'oiseaux insectivores. Les dernières terres émergées sont largement peuplées de rats, varans terrestres ou marsupiaux, car la surface de leur habitat commun s'est brusquement réduite. Enfin, les pluies se sont atténuées et le niveau des eaux s'est stabilisé. La foule que Macroul, amateur de nappes d'eau très vaste et de plantes aquatiques qu'elle va arracher au plancher fangeux, tire le meilleur parti de la situation. Le méliphage à bandeau roux tire de son régime de nectar et de sucre puisé au généreux calice des fleurs une énergie nouvelle. Il l'emploie à tisser avec ardeur un nid d'herbes et de tiges finement entrelacées dans lequel, oiseau monogame, il créera une famille stable. Le canard à sourcils blancs flotte sur un monde rénové, peuplé d'oiseaux, d'herbes et de fleurs. Tout est tiède et mou. Mouillé et mouscailleux, pour la plus grande satisfaction des razorbacks qui pataugent. Après la disparition de Paradji le dingo, il ne reste plus dans la meute aucun mâle dominant. Marty, le fils de Kira, tentera bientôt de s'affirmer, mais il ne peut encore revendiquer qu'un peu d'eau pour territoire. Même sa sœur, Kweri, trouve souvent avant lui l'aubaine à ne pas manquer, comme l'os de quelque herbivore que la sécheresse a tué. Leurs instincts carnivores, les dingos les ont hérités de leur ancêtre, un loup gris originaire d'Orient, qui séjournait en Asie du Sud-Est. Il y a environ 10 000 ans, celui-ci fut apprivoisé par les hommes et introduit par eux dans des îles telles que l'Indonésie, Bornéo, les Philippines ou la Nouvelle-Guinée. Il toucha les côtes d'Australie il y a 4000 ans. Puis il retrouva le goût de la vie sauvage. Au fil de son évolution, il était devenu ce canidé qu'on connaît sous le nom de dingo et qui se différencie notamment du chien par le cycle de la femelle, laquelle ne peut produire qu'une portée par an au lieu de deux. Kweri s'est lassée de devoir partager sa trouvaille avec son frère. Elle entend se la réapproprier, mais ne peut employer la force qui réveillerait peut-être la mal-agressivité de Marty. Il faut employer la ruse. Un bout de bois flottant servira à ses desseins. Marty croira qu'il s'agit d'un autre trésor
et se désintéressera du morceau de carcasse, laissant le champ libre à Query. Le stratagème a réussi, mais son effet sera de courte durée. Peut-être moins stupide que sa sœur ne l'avait cru, Marty reviendra vite à des grignotages conformes à sa dignité et à son régime alimentaire. La horde d'Artway, le dromadaire, est arrivée sur des terres où poussent assez d'herbes pour que chacun puisse s'en nourrir pendant quelques jours. Les nomades cessent de courir. Le regard haut, Irk, qui seconde Artway, veille à ce que la discipline ne se soit pas relâchée pendant le trajet. Un jeune mâle s'écarte. Il faut lui faire peur et rappeler les règles. Un peu de bave à la lèvre d'Irk démontre qu'il ne se laissera pas faire. Puis il gonfle une membrane située sur son palais, le sac vocal, et la fait trembler. C'est un signe d'autorité. Artway, l'étalon, approuve les efforts de son second. Il ne voit pas d'inconvénient cependant à ce que les jeunes du troupeau se défoulent par le jeu. Grâce à son pénis dirigé vers l'arrière, Artway marque la terre nouvelle qu'il avait promise aux siens. Les mouvements de sa queue dispersent son urine, afin d'en rendre les odeurs mieux perceptibles aux étrangers. Artway a accompli sa tâche de chef de file. Il a guidé son troupeau vers de nouvelles nourritures que la horde dévastera avant de s'en aller plus loin. Chez les dingos comme chez les dromadaires, l'animal dominant signale sa prééminence en étalant ses excréments ou en imprégnant la terre de leur odeur. Kira, la grande femelle, marque ainsi le territoire qui lui est dévolu depuis la disparition de Paradji. Sa fille, Query, ne songe guère, elle, à autre chose qu'à jouer, parfois aux dépens de son frère, Marty. Près d'un buisson, Marty retrouve Quintala en train de déposer une marque territoriale. Cette borne fera l'objet de toutes les curiosités. Marty et Quintala lui-même en vérifient en quelque sorte la lisibilité. Il faut que le message olfactif soit assez puissant. Query se joint à eux pour renifler le buisson. L'agitation des uns et des autres alerte Kira.
La femelle dominante ne peut tolérer que Quintala, fils de Paradji, manifeste sa vocation à s'élever dans la hiérarchie du groupe. Kira a recouvert et donc annulé la borne qu'avait posée Quintala. Mais des chevaux que l'eau attire arrivent à point nommé pour distraire les dingos de leurs revendications rivales. Yam est enfin parvenue à apitoyer sa sœur, ou à la fatiguer au point qu'elle cède à son caprice et accepte de se laisser téter. Non loin de là, Pogo ne montre aucune réticence à voir son oncle immature s'emparer d'une mamelle qui, depuis longtemps, ne devrait lui inspirer aucune convoitise. Pogo, lui, a accepté de grandir. Il se montre plus calme et plus mûr qu'avant, lorsque plusieurs prétendants se disputaient les faveurs de sa mère et que leur manège autour d'elle le rendait hystérique. Cartania se lasse enfin de cette situation contre nature et se détourne de son frère Quémandeur. Yam savoure encore les quelques gouttes de lait restées sur son palais et rejoint Cartania dans l'espoir qu'elle demeurera sensible à ses supplications, à son chantage. Posé au milieu d'un tapis végétal que les pluies ont transformé en un parvis de couleurs vives, le mont Artula ressemble à une cathédrale de pierre rouge. La saison humide, le wet, a fait fleurir le désert où poussent des plantes adaptées à la sécheresse, comme les arbustes de la famille du Spinifex ou l'herbe de Mitchell, dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol afin d'y aller chercher les moindres vestiges de pluies anciennes. D'autres buissons, au pied desquels se love le serpent brun, comme celui qu'on appelle saltbush, sont capables de tolérer un substrat saturé de sel. Le lézard barbu, animal à sang froid, réchauffe son corps aux rayons du soleil. Il demeure immobile, position dans laquelle il multiplie ses chances de capturer quelque insecte inconscient de sa présence. Quand ils sont deux, les lézards barbus mâles se guettent du regard. Chacun d'eux veille à ne pas être le dernier qui se montrera agressif et se jettera sur son congénère.
Red Heart, le cœur rouge de l'Australie, est à la fois un désert inamical où survivre est un défi et une plaine aux ressources sans cesse recyclées, où la vie s'acharne, depuis toujours. Le cinq rugueux, couleur d'ombre, se dissimule sous le couvert des herbes. La nature l'a doté d'une étonnante aptitude à abuser ses ennemis. Des deux extrémités du cinq, laquelle est la tête et laquelle la queue? Leur renflement est identique, de sorte que le reptile bénéficie d'une chance sur deux de ne pas être croqué du côté fatal. Les lézards du désert ont développé des stratégies de survie afin d'éviter la brûlure des sables et des rochers. L'une d'elles consiste à réduire le temps de contact des membres avec le sol. Il suffit pour cela de ne garder sur terre, en alternance, qu'un pied sur deux. Quand leur corps est à la bonne température, ni encore engourdi, ni brûlé sur le grill de rocailles réfractaires, les lézards barbus peuvent passer une partie de leur temps à se combattre. Pour intimider son adversaire, le lézard barbu gonfle sa gorge autant qu'il le peut, ce qui le fait paraître plus puissant et plus déterminé. Un autre moyen de défier un congénère ou de se signaler à une femelle consiste à frapper le sol de tout le poids de son corps afin de provoquer de minuscules secousses. Et quand il a ainsi dépensé au combat ou à la lutte contre la chaleur une partie de ses forces, le lézard part à la chasse. Une blatte d'Australie sera volontiers acceptée comme gibier. Elle servira de hors-d'œuvre avant un festin de moucherons, de fourmis et autres insectes.
Même dans l'un des déserts les plus durs du monde, la vie trace son chemin, comme le fait l'un des plus extraordinaires reptiles d'Australie, le moloch hérissé. Le moloch hérissé adopte une démarche saccadée, grâce à laquelle les fourmis, dont il se nourrit presque exclusivement, ne peuvent jamais savoir s'il avance ou s'il recule. L'apparence du moloch hérissé le rend peu appétissant à ses éventuels agresseurs. Sa rugosité, ses pointes et ses épines laissent supposer que le dévorer déchirerait le gosier du consommateur. Et si l'un d'eux se présente, le reptile lui présentera, lui, son front et ses cornes, adoptant sans le savoir la même posture que le rhinocéros. Sur une étendue sableuse que l'eau n'a pas atteinte, quelques spinifex végètent, mais survivent, obstinément, à force de sobriété. Ils ont colonisé les sols de l'Australie il y a environ 50 millions d'années, quand celle-ci s'arracha définitivement au supercontinent nommé Gondwana. Les rocs sont encore là, qui témoignent de ces temps immémoriaux, d'où semble aussi venir, fatigué d'avoir si longtemps marché, le moloch hérissé de pointes, taillé pour affronter l'éternité.